service. Oui. Alors, vous me connaissez, pour certains d'entre vous, déjà. Le frère Louisien me connaît déjà. Donc, je suis Iteru Orowe, responsable de l'éducation historique chez Afrocentry City International France. Et donc, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui concerne deux auteurs particulièrement importants et qui ont écrit, en quelque sorte, deux œuvres jumelles. « Nation nègre et culture » a été publié en 1954, pour la première fois par Cher Antadiop, et la même année, durant la même année, toujours en 1954, George M. James, un helléniste guyanais, et professeur de latin et de grec à Pine Bluff, dans l'Arkansas, a publié « L'héritage volé », alors en anglais à l'époque, c'était « Stolen Legacy », puisque c'était le texte original. Donc, la particularité, ce n'est pas simplement le fait que ces deux œuvres aient été publiées la même année, bien sûr. Il s'agit de deux sujets qui se rejoignent ou qui se complètent l'un l'autre. Sachant que George M. James s'est évertué et a réussi d'ailleurs parfaitement sa tâche, a prouvé que la philosophie grecque était en fait une philosophie kémite volée, une philosophie égyptienne volée, et Cher Antadiop s'est évertué à prouver, et il a réussi brillamment là aussi dans sa tâche, qu'il y avait un lien historique, culturel, philosophique et humain entre l'Égypte antique des pharaons et l'Afrique noire, ou l'Afrique dite noire, et qu'il s'agissait en fait du même peuple, et simplement du même peuple à des moments différents. Et ça ne veut pas dire que Cher Antadiop était le seul à avoir dit ça, d'autres l'avaient précédé bien avant, mais sa connaissance des questions linguistiques, sa connaissance des avancées dans le domaine de l'archéologie, le fait que c'était quelqu'un qui avait une formation multidisciplinaire, aussi bien littéraire que scientifique, lui a permis d'avoir tous les arguments pour développer sa thèse de façon très aboutie. Et donc nous allons commencer par Nation nègre et culture. Alors, est-ce que cette image, d'ailleurs, vous parle ? Est-ce que c'est une image qui vous est familière ? Et si oui, de quelle façon ? Le commencement du livre ? Comment ? Pas la couverture du livre. Si, si, c'est la couverture du livre, mais encore. Pourquoi, justement, a-t-elle été choisie comme couverture du livre ? Vous imaginez que pour un ouvrage aussi important, Nation nègre et culture, je crois que le sous-titre, c'est des questions... Je connais pas, je devrais le connaître par cœur, je suis vraiment désolé. Des questions de l'histoire antique au problème de l'Afrique noire d'aujourd'hui, mais vaut mieux que je vous le restitue intégralement et fidèlement, ce serait quand même mieux. De l'antiquité nègre égyptienne au problème culturel de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Merci. Et vous imaginez que pour une telle œuvre, la première de couverture est forcément choisi de façon très soigneuse et qu'il n'y a pas de hasard. Parce qu'une première de couverture, c'est une vitrine, on rentre déjà, pas forcément dans l'argumentation, mais dans une communication qui est importante. Et alors je vais vous aider un peu. Là, en fait, ce sont les habitants de l'Égypte, Remetou, voilà, c'est ce qui est écrit. Donc, les hommes par excellence, ou les humains, ou les hommes par excellence, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, Remetou, en Sikam, la langue de l'Égypte antique. C'est ce qui est écrit, d'ailleurs. Ensuite, vous avez les habitants de l'Europe. Ensuite, vous avez les habitants de la Nubie, c'est-à-dire Nehesiou, ceux qui marmonnent des incantations. Et vous avez le Sémite. Voilà. Et donc, c'est sur, on trouve cette fresque dans le tombeau de Ramsès III. Donc c'est la stèle de Biban el-Molouk. Voilà. Et
Et Champollion le Jeune, qui avait travaillé sur l'histoire de l'Égypte antique et qui était un savant de bonne foi, et à qui on doit le déchiffrement des hiéroglyphes à l'époque moderne, c'est-à-dire des Medunecher, parce qu'on était arrivé à un stade où plus personne ne pouvait lire cette écriture. Et lui, à l'époque moderne, il a déchiffré donc, les Medunecher que plus personne ne savait lire. Et quand je dis que c'était un savant de bonne foi, il y a Champollion le Jeune, parce qu'il y a deux Champollion, il y a Champollion le Jeune et Champollion Figeac, et qui est son frère. Champollion le Jeune n'a jamais cherché à tricher sur l'origine africaine de la civilisation égyptienne. Bon, par contre, il est décédé prématurément, il est mort très jeune. Et par contre, son frère, qui dans une certaine mesure a plus ou moins poursuivi son œuvre, était un savant qui n'était pas du tout de bonne foi. Il disait, par exemple, pour réfuter le discours de Volney relatif à la camitude, à l'africanité du sphinx, il disait « Oui, mais un livre qui se trouve dans toutes les bibliothèques, tel que celui de Volney, c'était un grand savant, Volney d'ailleurs, français lui aussi, Champollion Figeac disait « Oui, mais... il se base sur les écrits d'Hérodote, Volney, pour dire que les Africains, enfin les Égyptiens étaient noirs et avaient les cheveux crépus, mais il ne suffit pas d'être noir et d'avoir les cheveux crépus pour être un nègre. Ces caractères ne suffisent pas à caractériser, ces données-là ne suffisent pas à caractériser le peuple noir africain. Il ne suffit pas d'être noir et d'avoir les cheveux crépus pour être noir, un nègre. » Donc bon, ça c'était Champollion Figeac. Et ça fait partie déjà de l'argumentation de Cheyranta Diop. Donc la couverture n'est jamais choisie au hasard. On va poursuivre. Oui, c'est mieux avec... Alors, pourquoi ce titre, Nation Nègre et Culture? Attention, hein, l'œuvre originale a été publiée en 1954. C'était un contexte particulier. Pourquoi ce titre « Nation nègre et culture » est-il si révolutionnaire? Et d'ailleurs, petit commentaire, moi je connais des gens qui, rien qu'en voyant la couverture, ils vont mettre de côté. Hein. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Ils voient quoi, « Nation nègre » Déjà, ils voient le nom de la personne qui a écrit, Cheyranta Diop. Ils vont même pas vont mettre de côté. Ils vont voir Nation nègre et culture, mais hop. Mais il y a des gens qui des curieux qui effectivement vont être captivés par ce titre accrocheur. Et mais pourquoi est-il si révolutionnaire ce titre? Ce sont des mots qui vont pas ensemble. Pourquoi? C'est l'esprit des gens en fait à cette époque-là. Nègre et la culture. C'est vrai, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Ça. Puis il y a aussi une nation. Il y a une nation aussi. Alors là, c'est pas peuple. Je veux dire, dans l'esprit des gens, de certaines personnes à cette époque-là. Oui, y compris de beaucoup d'Africains. Oui, aussi, ouais. Les premiers d'ailleurs. Donc c'est nation, c'est pas peuple, c'est pas peuplade, c'est pas ethnie, c'est pas tribu, c'est nation. Nation. Et nègre. Et culture au singulier. Donc on est déjà dans une forme d'unicité. Ça annonce déjà les futures œuvres. Parce que, on le verra au fur et à mesure qu'on va étudier cette œuvre aujourd'hui, Nation nègre et culture, c'est un peu le noun par rapport aux différentes... Si on voit Cheyranta Diop comme un démiurge, mais c'est une façon de parler, hein, on va pas faire de tous les ancêtres, on va pas les diviniser, bon... Mais bon, on peut penser qu'il est devenu injustifié. Alors, non, pas injustifié, un ancêtre méritant. C'est pas pareil, voilà, ancêtre méritant. Mais si on prend une métaphore, nation agriculture, c'est un peu le noun, parce qu'il y a toutes les potentialités dedans, et nation agriculture annonce tous les ouvrages futurs de Cheyranta Diop, les fondations sont déjà là. On retrouve déjà des éléments qu'on verra plus tard dans Civilisation Barbarie et d'autres dans des ouvrages plus linguistiques, etc. etc. Donc, culture au singulier. On poursuit.
Alors, quelle est la thèse développée dans ce livre ? Alors, je vais faire la blague que j'aime bien faire avec ce cours en particulier. Il y a certaines personnes qui pensent qu'en fait, Nation Agriculture, le but, c'était de prouver que les Égyptiens étaient noirs. Donc, chapitre 1, les Égyptiens sont noirs. Chapitre 2, ben, vous savez, ils sont quand même vraiment très noirs, les Égyptiens. Chapitre 3, il faut quand même le rappeler qu'ils sont noirs. Non, mais je pense que Nation Agriculture, ça va quand même un peu plus loin que ça. La thèse développée dans ce livre, c'est... En fait, il le dit simplement dans des interviews qu'on lui a accordées plus tard, notamment auprès de RFI ou de la télévision suisse romande, etc. Il dit en fait, mon propos, c'était juste de retrouver le lien qui nous liait à nos ancêtres les plus lointains. C'était tout. Et il dit, quand je suis tombé sur l'Égypte, j'ai été vraiment très gêné. Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et ensuite, j'ai pensé qu'on allait forcément me faire un procès d'intention. Dire que c'était pour booster les peuples africains à l'aube des indépendances, pour avoir une ferveur nationaliste, etc. Et que ça allait être une œuvre plus polémique, une œuvre plus idéologique que scientifique. Alors qu'on peut très bien faire les deux. Si on prend l'exemple d'un historien français... l'un des plus connus, le problème c'est que j'ai un petit trou de mémoire, à un historien français qui a beaucoup écrit sur la Révolution, mais j'ai un trou de mémoire. Enfin, c'est l'un des historiens français qui a le plus écrit sur la Révolution, c'est pas un historien de notre époque. Hein. Eh bien, il y a du nationalisme dedans, mais c'est pas choquant en soi. C'est pas du tout choquant. Ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des cyborgs qui écrivent l'histoire, ce sont des êtres humains. Donc heureusement qu'il y a de la vie, heureusement qu'il y a de la passion dans les œuvres historiques. Mais ça n'empêche pas toute forme de rigueur. Ça peut très bien aller ensemble. Alors, la thèse développée dans ce livre, c'est aussi les connexions linguistiques qu'il y a entre l'ancienne Égypte et l'Afrique d'aujourd'hui. Notamment à travers tout un vocabulaire, on le verra plus tard, qu'il retrouve, vocabulaire égyptien, qu'il retrouve exactement en Wolof, qui est sa langue maternelle. Et donc sa connaissance du Wolof lui a permis effectivement de faire des comparaisons linguistiques qui sont tout à fait pertinentes dans la dernière partie de son œuvre. Il y a aussi comme thème l'origine africaine de l'humanité. Il y a aussi les différentes connexions qu'on trouve entre l'Égypte antique et l'Afrique, notamment sur le plan culturel, avec la conception de la royauté, certaines pratiques culturelles telles que la circoncision, etc. etc. On verra ça tout à l'heure. Donc c'est très dense, hein, Nation Agriculture. Alors, le contexte de l'époque, il est particulier, puisque quelques années avant, il y a eu le massacre de Tiaroy, quand même. C'est-à-dire que les combattants africains qui avaient combattu dans les rangs de l'armée française demandaient leur dû. Ça a été d'ailleurs immortalisé au cinéma par Sem Ben Ousmane dans le film « Camp de Tiaroy ». Et finalement, ils n'ont reçu comme paiement qu'ils ont été mitraillés, ils ont été assassinés par l'armée française. Donc c'est un contexte qui est quand même particulièrement violent. Il y a pas mal de mouvements de contestation ou de mouvements indépendantistes en Afrique à ce moment-là. Et justement, Nation d'agriculture, en quelque sorte, vient au bon moment parce qu'il vient apporter une touche culturelle et historique à un mouvement qui était essentiellement politique. Et dans les préfaces... Alors justement, l'une des difficultés de Nation d'agriculture, c'est que c'est un ouvrage qui est dense. C'est un ouvrage qui est un ouvrage très savant, très érudit et qui peut faire peur, c'est vrai. Et donc, moi, je conseille de lire d'abord les préfaces. Parce que les préfaces, c'est la déclaration d'intention de l'auteur.
Et puis il identifie déjà ses contradicteurs. Par exemple, ceux qu'il appelle les cosmopolites scientistes modernisants. Est-ce que cette appellation vous parle, cosmopolite scientiste modernisant? Oui. Ils existent toujours. Ils existent. D'accord. Qui sont ces gens? Ce sont des gens qui... Aujourd'hui, là... Oui, aujourd'hui. Bah, c'est les mêmes. Enfin, sauf que c'est leurs enfants. Mêmes, mais non, voilà, c'est leurs petits-enfants. Voilà, ou leurs disciples, etc. Oui. Bah, ce sont les gens qui... des expériences du style essayer de mettre l'Égypte dans l'Orient ou le Moyen-Orient et complètement l'exclure de l'Afrique sur le plan scientifique et culturel par exemple. Pas forcément, ça peut être des gens qui reconnaissent qu'il y a une continuité culturelle entre l'Égypte, enfin entre Tamiri, le pays bien-aimé, hein. C'est comme ça que disaient les anciens, ils ne disaient pas l'Égypte, parce que l'Égypte, ça vient du Sikam Utkarta, le temple de l'âme de Ptah, qui se trouvait dans la ville de Mennefer. Ah bon ? Oui. Et quand les Grecs sont arrivés là-bas, ils entendaient les Kamites dire toujours Utkarta. Et eux, ils ont déformé Utkarta en Egyptoi. Et ensuite, c'est devenu Égyptos. Et. En langue française, ou en anglais, c'est devenu Égypte ou Égypte. Mais ce qui n'est pas un terme kamite. Le vrai terme, c'est kamite ou Tamiri, le pays bien-aimé. Et Kemet, c'est Taseti, donc la terre de l'arc. C'est Tadjezer, la terre sacrée, ou alors Taneter, oui, la terre sacrée. Et Tamiri. Voilà. Donc, mais le terme Égypte, il est étranger. Donc il y a des gens, oui, dans notre communauté, qui disent « Ok, oui, il y a une continuité culturelle, mais en quoi ça change ma vie aujourd'hui ? En quoi ça change la vie des Africains ?» Les challenges pour les Africains, c'est le développement. Ces gens qui vont vous parler du développement. Alors ils se garderont bien de définir ce qu'ils appellent développement. Mais ils vont vous en parler... Ils vont dire, on a autre chose à faire, ça c'est trop, c'est vieux, ça c'est ça sert à rien, c'est complètement inutile. Mais, cher Anta Diop, dans sa préface, il nous dit, mais si les cosmopolites scientistes modernisants qui nous disent qu'il faut rejoindre le monde à la vitesse de l'électron, s'ils étaient cohérents, ils admirent non, la réussite qui semble éclatante de l'Occident. Aujourd'hui, un philosophe comme Michel Onfray dit que c'est la décadence. Alors, c'est une réussite ou c'est une décadence? Oui, ça a été une réussite sur le plan matériel à un certain moment, même sur le plan des idées, encore que certaines idées soient contestables. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une période de décadence. Mais peu importe, en 1954, chez Anta Diop voyait déjà que la civilisation occidentale a montré des signes d'essoufflement. Non, avant même que Michel Onfray, en 1954, je crois qu'il n'était même pas né. Hein. Il est né en 1959, donc il n'était pas né. Donc il voyait déjà des signes d'essoufflement de la civilisation occidentale. Et en tout cas, ce qu'il disait, si vous admirez la civilisation occidentale, ce que font les Occidentaux devrait servir de modèle pour vous. Ceux-là qui se disent modernes parmi eux, ils construisent dans toutes les villes des monuments pour rendre hommage à leurs ancêtres. Donc si tout ce qu'ils font est en fait le garant de leur succès, vous devriez les imiter si vous voulez être cohérent. Donc vous devriez rendre hommage aussi au passé et à vos ancêtres, y compris les plus lointains. Mais non, justement, donc les cosmopolites scientistes modernisants ne sont pas cohérents, quelque part. Alors, le contexte de Nation Agriculture, je ne sais même pas si le mot contexte est approprié. La méthode, ou plutôt les éléments importants que le livre contient, sont évidemment des éléments de chronologie. C'est déjà dans Nation Agriculture que cher Anta Diop nous dit qu'en 4236 avant Jésus-Christ, les Égyptiens, Kamites, connaissaient déjà le calendrier. Et c'est justement sur ce chiffre que nous nous basons aujourd'hui pour célébrer le nouvel an kamite chez Afrocentricité Internationale tous les 3 août
de chaque année, en se basant sur 4236. Ce qui nous donne, aujourd'hui, nous sommes en 6256. Voilà. On va poursuivre. Alors, s'agissant de la spiritualité, c'est vrai que Nation et Agriculture, a priori, c'est peut-être le point commun qu'on pourrait trouver entre Cheikh Diop, en tout cas le Cheikh Diop de Nation et Agriculture, et Maulana Karenga, quand il parle de Kwanza. Cheikh Diop dit dans une des préfaces, parce qu'il y a trois préfaces pour ce livre, il dit mon but dans ce travail n'est pas du tout d'offenser telle ou telle religion. C'est pas un travail qui a quelque chose à voir avec un prosélytisme religieux et autres. Ce que dit aussi Karenga à propos de Kwanza. Mais il est évident que le christianisme fondamentaliste qu'on trouve aujourd'hui en Afrique ne peut pas voir ce type de démarche comme quelque chose de positif, puisque l'histoire pour les chrétiens fondamentalistes, qu'on trouve plus en Afrique qu'en Europe, on en trouve aussi en Europe, aussi au niveau de l'extrême droite française, hein, on trouve quand même quelques chrétiens fondamentalistes, mais pour certains chrétiens fondamentalistes qu'on trouve en Afrique, effectivement, tout commence avec les Hébreux, tout commence avec Jésus-Christ, et de toute façon, Pharaon, c'est le diable. Donc c'est lui qui a combattu les Hébreux, heureusement que Yahvé a ouvert la mer Rouge et pour faire en sorte que les troupes de Pharaon soient recouvertes par les flots alors qu'ils poursuivaient les Hébreux. Donc ils ne peuvent pas voir ce genre de démarche avec beaucoup de sympathie. Donc il y a un contexte religieux. Nous avons aussi un frère chez Afrocentricity International qui a publié un livre qui est peut-être ici. Le frère sur Cheikh Diop, l'historien de la religion d'un monde. Donc, au fur et à mesure de son œuvre, Cheikh Diop a commencé à s'est appesanti sur des références spirituelles, forcément, parce que quand on écrit l'histoire, on ne va pas dire oh, bah tiens, ça. Ces éléments parlent de la spiritualité des Égyptiens, ben j'en parle pas. Enfin, il faudrait vraiment pratiquer une forme d'autocensure qui rendrait en fait l'histoire totalement incompréhensible. Et donc il a bien fait son travail d'historien. Il faut savoir que quand il vivait au Sénégal, à une certaine époque, Cheikh Diop, quand il passait dans la rue, à Dakar ou ailleurs, il y avait des gens qui surgeaient de trottoir. Hein. Sans doute parce qu'il avait abordé ces questions de l'antériorité de la religion pharaonique, etc. Parce que l'islam n'est pas plus ouvert sur ces questions. Hein. Voilà. Surtout en ce moment. Alors, Diodore de Sicile, que Cheikh Diop cite, mais que quelqu'un comme l'abbé Angel Bernzeng citait aussi, c'est Diodore de Sicile qui disait, un historien grec du 1er siècle d'avant notre ère, disait, on dit que les Éthiopiens sont les premiers qui aient enseigné à rendre un culte aux dieux. Attention, quand on dit Éthiopien, là, c'est pas l'Abyssinie, c'est pas Haïlé Sélassié, etc. C'est façon de parler, c'est pas l'Abyssinie, c'est l'Éthiopie des anciens qui correspond à la Nubie en fait. Quand on parle de l'Éthiopie des anciens, c'est pas l'Abyssinie, c'est la Nubie. Donc on dit que les Nubiens sont les premiers qui aient enseigné à rendre un culte aux dieux. Donc la naissance de la religion se situe là. Donc c'est pour ça que Molefiketé Asante dit que en fait l'Égypte antique n'est pas le commencement. C'est déjà la poursuite de quelque chose qui avait commencé avant. Ce n'est pas le commencement. S'agissant de la science, parce que dans Nation et Agriculture, évidemment, on parlait tout à l'heure de 4236, l'invention du calendrier. Évidemment, pour arriver à inventer un, en fait, ils ont inventé plusieurs calendriers, pas seulement un.
pour inventer des calendriers, il faut en quelque sorte avoir une certaine avancée scientifique. Mais cette avancée scientifique, encore une fois, ne commence pas avec l'Égypte antique. S'agissant de l'Afrique, les découvertes scientifiques commencent très tôt. S'agissant de la science, vous avez l'os d'Ishango qui est daté 25 000 ans avant notre ère. Vous vous rendez compte, 25 000 ans avant notre ère. Duplication, suite, arithmétique. C'est une découverte de Jean Eslin de Brocourt et c'est exposé à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, à Bruxelles. Voilà. Donc, ça donne le vertige quand même. Et là, c'est carrément au niveau de la RDC actuelle. Pour ce qui concerne l'Égypte proprement dite, vous avez le papyrus Rind, qui, selon Nyusere Kalala Omutunde, est un célèbre traité de mathématiques datant de la deuxième période intermédiaire et émanant d'un mathématicien africain du nom de Ames. Le nom de ce papyrus provient de l'Écossais Alexander Henry Rind, qu'il a acquis en 1858 à Luxor. Il fut découvert sur le site de la ville de Wassertel avec le papyrus dit de Moscou. C'est l'un des plus importants, une des sources les plus importantes sur les mathématiques de l'Afrique antique, que nous dit le frère Omotunde. Alors Ames se prononce Yamesu en langue africaine antique, hein, bien sûr. Et c'est donc le mathématicien africain qui l'envoie ce fameux papyrus exposé au British Museum de Londres depuis 1865. Et ça, il a vécu vers 1650 de l'ère ancienne africaine, et le moins que l'on puisse dire est qu'il était brillant. Pourquoi ? Près de 1000 ans. Et là, on retombe sur les thèmes qui vont être traités ensuite par James dans l'héritage volé. Pourquoi ? Parce que près de 1000 ans avant la naissance de Thalès et Pythagore, le traité de mathématiques d'Amès mentionne déjà les théorèmes qui firent la célébrité de ces deux Grecs. Comment peut-on comprendre cela, nous dit le frère Nyusere Kalala Omutunde. Alors tout à l'heure, nous disions que pour qu'on puisse bien visualiser l'ensemble géographique et culturel dont nous parlons, qui n'est pas simplement l'Égypte en elle-même, c'est le pays... Les Kamites, enfin Kemet, donc c'est Tadjoser, le pays de la divinité. On peut l'appeler Tadjoser ou Taneter, le pays divin, quoi. Et c'est de là que venaient les ancêtres des Africains qui ont de la civilisation pharaonique, les Anou notamment. Les Anou. Et Osiris faisait partie de ce peuple des Anou. Et donc, d'où le jeu de mots que aime faire le chercheur Pierre Nilon, Sébitin en nous. Sébitin à nous. Donc, c'est les choses de chez nous, en fait. Selon Amélino, c'est cette race nègre des Anou. Donc là, je cite carrément Nation d'agriculture. C'est un passage de Nation d'agriculture. Selon Amélino, donc qui est un chercheur ecclésiastique, alors ce qui est marrant, c'est que nos amis chrétiens fondamentalistes ne veulent pas entendre parler de ces recherches. Mais bizarrement, parmi les chercheurs que l'on cite dans ces livres, il y a des chercheurs qui sont des ecclésiastiques, des abbés, et qui n'ont aucun problème avec ce type de recherche. Donc c'est vraiment étonnant. Selon Amélino, c'est cette race nègre des Anou qui aurait créé en temps antéhistorique tous les éléments de la civilisation égyptienne, qui demeureront sans changement notable jusqu'à la fin de celle-ci. Ce sont les nègres qui auraient les premiers pratiqué l'agriculture, irrigué la vallée du Nil, dressé les digues, inventé les sciences, les arts, l'écriture. L'écriture, c'est 3400 avant Jésus-Christ, selon les découvertes de Günther Dreyer, de l'Institut d'archéologie de Berlin, découverte à Abjou, Abydos, qu'il a faite en 1998. Et donc, c'est la date de 3400 qu'il a fixée pour l'attestation de l'écriture. Ça veut dire attester. Ça ne veut pas dire que l'écriture a été inventée en 3400,
mais nous avons des preuves de l'existence de l'écriture chez les anciens Africains de l'Égypte pharaonique pour 3400 avant Jésus-Christ, ce qui est quand même très ancien. Et dans les manuels scolaires, on nous apprend souvent, ou dans les revues grand public, que l'écriture a été inventée à Sumer, que l'origine de l'écriture, c'est Sumer. Mais si vous connaissez les ouvrages de Rouno Kourachidi, comme dirait Chertadiop, on quitte une souche kamite pour tomber sur une autre souche kamite. Donc c'est le lièvre qui se mord la, le serpent qui se mord la queue. Je ne sais pas pourquoi le lièvre. Alors ce sont les nègres qui auraient les premiers pratiqué l'agriculture, etc. Ce sont eux qui ont créé la cosmogonie consignée dans le livre des morts. C'est toujours l'abbé Amélino qui nous dit ça dans Prolégomène à l'étude de la religion égyptienne. C'est un vieux livre. Et dont les textes ne laissent aucun doute sur le caractère nègre de la race qui a conçu les idées. Voilà, l'Afrique, berceau de l'écriture, 3400 avant Jésus-Christ. On l'a vu tout à l'heure. Comme pour la géométrie, alors là, c'est dans civilisation barbarie, les Égyptiens ont été les inventeurs exclusifs du calendrier. Celui-là, à peine réformé, qui règle notre vie aujourd'hui. C'est-à-dire que le calendrier que nous utilisons ici, qui est le calendrier grégorien, est basé sur les calendriers qui l'a précédé, peut-être le calendrier julien lui-même inspiré de celui de l'Égypte antique. Donc ce sont les Kamites qui ont inventé l'année de 365 jours, qui se décompose ainsi, 12 mois de 30 jours, 360 jours plus les 5 jours épagomènes, correspondant chacun à la naissance d'un des dieux égyptiens suivants, Osiris, Isis, Horus, Seth, Nephthys. Cher Antadiop, civilisation ou barbarie, présence africaine, 1981, page 354. Quelles sont les autres inventions qu'on peut trouver en Égypte antique, notamment le chadouf? Depuis le Nouvel Empire jusqu'à nos jours, cette machine rudimentaire permet de puiser l'eau. Elle est constituée d'une poutre de bois fixée sur un axe vertical, dont une extrémité munie d'une corde et d'un récipient en peau et l'autre d'un contrepoids en pierre. Alors, vous vous souvenez du sous-titre du livre ? Nation nègre et culture, ça c'est le titre, mais il y a un sous-titre. Le sous-titre, c'est de l'antiquité nègre égyptienne au problème de l'Afrique d'aujourd'hui. Alors, quels sont les personnages qui sont représentés ici? Est-ce que certains vous sont familiers? Voilà. Oui. Bah déjà, le premier. Je peux vous aider. Hein, pour le premier, je peux vous dire que c'était un grand psychopathe. Hein. Un grand psychopathe. Comment? Néron. Non, c'était avant. C'était avant Néron. C'était avant. Le troisième, il dit quelque chose, mais... Ah, le troisième, oui. Ouais. Je vais vous aider. C'était Cambyse. C'est l'envahisseur perse de l'Égypte antique à la fin de la civilisation égyptienne. Et c'était un vrai psychopathe. En tout cas, Hérodote, l'historien grec du 5e siècle, nous le décrit comme un vrai psychopathe. Mais je crois que il était malade, hein, il avait une maladie mentale. Cambyse. C-A-M-B-Y-S-E. C'était un sultan? Comment? C'était un sultan. Non, parce que je crois que l'islam n'existait pas encore à l'époque. Oh. Non, c'était bien avant l'islam. C'était de l'Italie? De la Perse. Ah, de Perse. Oui, ce qui correspond à l'Iran actuel. C'était le roi? Oui, ouais. c'était un vrai psychopathe. Et donc, d'ailleurs, Hérodote, l'historien grec, a visité l'Égypte au moment de la domination perse. Mais la civilisation égyptienne était toujours foisonnante, même si, effectivement, les Kamites avaient perdu leur indépendance politique. Et ici, vous avez Typhotype. Ah, ouais, ça te dit quelque chose, sorcellerie. Voilà, Typhotype, qui était un arabe esclavagiste, alors un arabe quand même très kamite, hein, pardon. Un arabe très kamite, comme beaucoup d'arabes d'ailleurs,
Et il a pratiqué le commerce des esclaves au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, dans l'Est africain. C'était un grand trafiquant d'esclaves. Et justement, et puis là, évidemment, vous avez la traite arabo-musulmane. Comment expliquer ça? Les mots que nous utilisons pour nous désignés sont souvent issus de cette période sombre. Par exemple, le mot noir, il est problématique, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'en fait, dans les civilisations eurasiatiques, il y a des codes couleurs qu'on retrouve aussi bien chez les Chinois de l'ethnie Han, qu'on retrouve chez les Arabes, qu'on retrouve aussi bien chez les populations de la Scandinavie. Et il y a un frère qui s'appelle le frère Amunan Gonimba qui a écrit un livre sur ça, Noir au cœur d'une institution millénaire eurasiatique. Et il prend appui sur ce qu'on appelle l'Edda poétique. Et c'est le chant du Rig. C'est dans la civilisation finlandaise, chez les Finlandais. Et le chant du. Finlandaise ou islandaise. Je crois que c'est plus chez les Islandais, mais j'ai un doute. Je crois que c'est plus chez les Islandais. Et le chant du Rig, le dieu Rig, en fait, il a trois fils. Il y en a un qui s'appelle Jarl, un autre qui s'appelle Karl, et le dernier s'appelle Trael. Jarl, il va avoir la royauté. Karl, il va porter les armes. Et Trael va faire tous les travaux salissants. Le code couleur choisi pour le fils béni, en fait, du dieu Rig, Jarl, c'est le blanc. Le code couleur, mais c'est tous des eurasiatiques, donc c'est tous, entre guillemets, des blancs. Le code couleur choisi pour Karl, c'est... Bon, essayons de trouver un Karl aujourd'hui en France, castaner, le métis intérieur, c'est un bon Karl. Ben, son code couleur, c'est le rouge. Et ceux qui font les travaux salissants, les travaux difficiles, et qui commencent à paniquer un peu pour leur retraite, les gilets jaunes, leur couleur n'est pas le jaune, justement, c'est le noir. Est-ce que vous voyez un peu la subtilité du truc? Ça veut dire qu'à partir de 1454, ou 1441, c'est selon, quand on a commencé à mettre de façon massive, ou quand les Européens... À la suite, les Arabes ont commencé à mettre de façon massive les Africains en servitude et qu'ils ont commencé à arrêter, ils avaient déjà commencé à arrêter de mettre les Européens comme eux en situation d'esclavage à cause de la révolte des Mamelouks en Égypte qui les a traumatisés. Ils se sont dit plus jamais ça. Eh bien, les Eurasiatiques ont mis de façon exclusive les Kalites en esclavage. Et le mot noir qui désignait une caste uniquement nous a été appliqué. Et nous avons fini par croire, et ceux qui nous appliquaient donc, ce mot infamant pour nous désigner, c'est-à-dire les gens qui font les travaux salissants, qui font les travaux que personne ne veut faire, nous avons fini par croire, tout comme nos oppresseurs, que le mot noir désignait notre couleur de peau, alors que c'est une condition sociale. Donc c'est pour ça qu'il y a un frère qui s'appelle le frère Tané Sikots qui a écrit le livre Colère Noire. Effectivement, si on se définit comme noir, soit on va être servile, soit on sera toujours en colère. Mais on n'arrivera pas à se projeter dans l'avenir, on n'arrivera pas à respirer et à prendre notre place de façon sereine. Soit on va avoir des comportements serviles, bah oui, parce que nous les noirs, on est comme ça, hein, ou alors on va avoir des comportements où on sera toujours énervé, quoi. Bah oui, parce que comme un gilet jaune. Mais les gilets jaunes, quand ils rentrent chez eux, je pense qu'ils ne sont pas tout le temps gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est une situation. Et noir, c'est-à-dire le fait d'être... de faire les travaux difficiles, c'est une situation. Et quand on devient président de la République, quand on devient général d'armée, on n'est plus noir. Et donc, c'est pour ça que ce titre, « Nation nègre et culture », c'est un peu, je reçois une pierre, je la ramasse, ou je reçois une grenade, je la ramasse, et puis je la renvoie à l'expéditeur. Et, tu penses que je suis noir, je vais te montrer qui je suis.
Mais effectivement, quand il a fait ses voyages aux États-Unis, son voyage aux États-Unis en 1985, Chantaliap a constaté que les Africains-Américains avaient un problème avec le mot « Negro ». Et donc, effectivement, ils avaient fait déjà une réflexion sur les mots qu'on emploie. Et c'est important de dire ça, parce que chez Afrocentricity International, on est très vigilant par rapport au vocabulaire qu'on peut employer pour se désigner. Chez Nouti Ameni, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais juste rebondir sur deux choses. On entend bien que nos ancêtres se désignaient déjà noirs, quand on parle que noirs. Juste que le code couleur qui était utilisé par d'autres peuples n'était pas le même. Oui. Il y avait d'autres significations, mais nos ancêtres se disaient déjà de moi. Kamit, Kemet. Bien sûr. Mais on pourrait dire que Kemet veut dire charbonné. Ouais. Donc c'est un processus peut-être. Et parce que dans l'acception du terme français, on est comme fixé. C'est-à-dire que c'est des termes qui vous enferment, qui vous fixent. Et c'est pour ça que les Kamites de la période pharaonique se disaient Kémites. Mais d'après le Seish Etilé, ils se sont dit Kémites aussi quand ils étaient face aux peuples de la mer. Quand les peuples de la mer voulaient les envahir, ils ont dit bah, « vous êtes... voilà, nous sommes les Kémites ». C'est parce qu'il y avait déjà une situation de conflit qui commençait. Mais le terme français a tendance à nous enfermer et à nous fixer. Et c'est intéressant parce que moi qui ai vécu un peu en Asie, justement là-bas, être noir, enfin être bronzé, c'est justement appartenir à une classe sociale un peu inférieure. Pourquoi ? Parce que pour eux, ceux qui ont le teint bronzé, c'est ceux qui travaillent donc dans les champs, au soleil, etc. Et donc c'est pour ça qu'ils sont bronzés. Et justement, les classes sociales élevés sont souvent au teint blanc, etc. Et bien d'ailleurs, sûr. Ils utilisent même des produits pour se blanchir. Il faut savoir que c'est pas les produits pour blanchissant ne sont pas l'usage exclusif des Kamites. Hein, non, bien sûr. C'était dans quel pays d'Asie ? En Thaïlande. Ah, en Thaïlande. En Thaïlande. Mais pas seulement, même en Chine, etc. Donc partout, quasiment en Asie. Ils utilisent beaucoup de produits blanchissants. Il y a des publicités constamment à la télé pour éclaircir la peau, etc. Mais même les Français, non, les ont utilisés aussi, et avec la céruse. Et d'ailleurs, même à l'école, pour enseigner à leurs enfants ce qu'est la beauté et la mocheté, si on peut dire, ils utilisent justement les Africains pour désigner ceux qui sont moches ou pas beaux, etc. Et ça, depuis le plus jeune âge. Donc, il y a une condition, il y a un conditionnement qui se fait depuis des millénaires, enfin depuis des siècles. C'est clair. Pour désigner, justement. Et donc, ça veut dire que pour ces populations, comme pour les populations européennes, alors, quand je dis population, moi, je ne parle pas forcément des individus. Mais il est évident que les individus sont influencés par la culture dans laquelle ils baignent. Et ça veut dire que c'est toujours la même phrase qu'on sort, les meilleurs manquent cruellement de conviction tandis que les pires bouillonnent d'intensité de passion. Et si les meilleurs qui manquent cruellement de conviction décidaient d'en finir avec le racisme, il n'y aura plus de racisme. Donc ici, peut-être qu'il y a des gens plus ouverts que d'autres, mais descendez dans la rue, faites quelque chose pour que ça s'arrête. Si vous ne le faites pas, c'est que votre conviction, elle n'est pas vraiment là. La question de notre apparence physique pour les populations non-kamites est souvent un problème, et c'est ce qui donne l'anti-kamitisme qu'on retrouve partout dans le monde. Le terme kamite utilisé par les Égyptiens de l'époque pharaonique veut dire noir, mais pas dans le même contexte que le terme noir qui est utilisé dans la langue française. Qui est un terme. Par exemple, pourquoi notre frère Guillaume Thuram, c'est un petit aparté que je fais, pourquoi le frère Guillaume Thuram a eu des problèmes? Parce que, en fait, le terme noir en France sert à désigner les noirs.
Et quand on parle des blancs, on dit, bon, bah oui, j'ai demandé mon chemin à une dame. Ou alors, la vendeuse m'a bien aidé à choisir mon pantalon. Alors, c'était une femme blanche, mais comme par hasard, elle n'a pas de couleur. Ah, par contre, la petite blanche, elle avait l'air de bien connaître ce qu'ils vendaient dans la boutique. Là, elle a une couleur, mais les blancs n'ont pas de couleur. Donc, c'est... Sauf quand ça devient positif. Alors, il y a une dame qui va dire, alors j'ai été à votre Kwanza. J'étais la seule blanche au milieu des noirs. Ils adorent dire ça. J'étais la seule blanche au milieu des noirs. Mais autrement, les blancs ne sont pas blancs, en fait. C'est la grande dame, ou c'est la dame âgée, ou c'est monsieur sympathique, ou celui-là, c'est un connard, mais il n'a pas de couleur de peau. Mais voilà. Est-ce que ce n'est pas une question de point de vue, ça? Parce que, par exemple, quand on est en Afrique, ou quand on est dans un pays noir, on est contre noir, on ne va pas dire non plus « j'étais avec un noir » ou « la vendeuse ». Par contre, quand il y a un blanc, on va dire « le vendeur blanc » ou « le... » Ça, je pense que c'est plus une question de point de vue. C'est, étant donné que lorsque l'on baigne chez soi, dans son milieu naturel, bien entendu, on ne désigne pas les habitants naturels comme par leur couleur, parce qu'ils nous ressemblent. Donc finalement, mais lorsque justement il y a un individu d'un peuple étranger ou qui est caractérisé autrement, là, on va utiliser ce caractère justement pour préciser, pour désigner. Oui, mais ça rien veut. C'est peut-être pas forcément malveillant. Non, c'est pas forcément malveillant, mais c'est quand même pour nous enfermer. Par exemple, une personne d'origine africaine qui a une couleur de peau tirant plutôt sur le jaune sera considérée comme c'est le petit black. Mais une personne d'origine asiatique avec un teint très noir, très foncé sera j'ai demandé au vendeur indien. Et pourtant, il est plus noir que celui qui est à côté. L'autre, il a le teint, entre guillemets, café au lait. On va dire, oui, j'ai demandé au petit black, puis après, j'ai demandé au vendeur indien. Mais le vendeur indien, il est noir. Donc, ça veut dire que ça n'a rien à voir. C'est comme quand on... En fait, ce sont des codes, mais qui n'ont rien à voir avec une logique, même pas la logique basique de quelqu'un qui regarde et qui décrit ce qu'il voit. Par exemple... Les termes qu'on utilise pour désigner les gens en France ou dans beaucoup d'autres pays n'ont rien à voir avec la logique. Par exemple, quand on parle d'antisémitisme, si les Arabes sont des sémites, le racisme contre les Arabes devrait être considéré comme de l'antisémitisme. Mais non. On dit islamophobie. Mais alors, l'arabe qui est discriminé mais qui est de confession chrétienne, par exemple un arabe libanais qui est chrétien, il est discriminé... on peut le discriminer puisque ce ne sera pas considéré comme de l'islamophobie, puisqu'il est chrétien. Mais ça n'a... Il n'y a aucune logique, en fait. Mais bon, revenons au terme... au terme utilisé. C'est simplement pour dire que, en fait, quand on parle de l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'humanité. Quand on parle de l'histoire des Africains, quand bien même c'est l'histoire de l'humanité... On dit, ouais, mais c'est votre truc à vous, les Africains. Mais ça concerne toute l'humanité, et c'est pour ça que la démarche de Femi Krasniqi, avec son film, son documentaire Grande Pyramide 2019, est un travail tout à fait exceptionnel qui s'inscrit dans la continuité du travail de Cheikh Diop. Donc c'est une affaire qui concerne l'ensemble de l'humanité. Et c'est le patrimoine de l'humanité, même si c'est aussi le patrimoine de l'Afrique. Et certains de différentes communautés l'ont très bien compris. Donc, on peut poursuivre. Alors, c'était une longue digression. Alors, le contexte de Nation Nègre et Culture, connaissez-vous ce personnage ? Pour vous aider un petit peu, hein. On va tricher, pour vous aider un petit peu, il a reçu en 1921 le prix Goncourt. Et d'ailleurs, ça, une certaine presse s'est un peu excitée avec cette affaire de prix Goncourt. En tout cas, il l'a reçu.
pour son roman. J'ai oublié son nom. Oui, c'est un français. Oui, c'est un francophone. Bah, c'est un Kamite, oui, qui a vécu en France et qui a écrit son livre en langue française. C'est le premier à avoir reçu le concours. Qui avait sans doute forcément la nationalité française. C'est le premier à avoir reçu le concours, je crois, non? Le premier afro. Ah, je sais. Oui. C'était en 1921, c'est René Maron. René Maron, d'origine guyanaise et martiniquaise. Et ce qui avait fait jaser à l'époque, c'était surtout la préface de son livre Batoila, c'était un roman où il avait été fonctionnaire colonial en Centrafrique, et il a décrit tout ce qu'il avait vu en termes d'aberration du système colonial, évidemment. Ça a fait jaser cette question-là. Et donc, il a écrit aussi un autre livre, oui, parce que le contexte de Nation d'agriculture, dont le titre était « Un homme pareil aux autres ». Alors, c'est un peu étrange. « Un homme pareil aux autres ». Alors, effectivement, on est très loin de la démarche de Charanta Diop. « Un homme pareil aux autres », donc il faut se fondre dans la masse, etc. Bon, cela dit, il ne faut pas tirer non plus à boulet rouge sur tout le monde, parce qu'il a écrit une très belle biographie de Du Guesclin, qui avait une origine kamite, qui a beaucoup participé au fait de dessiner les frontières actuelles de la France en luttant contre les Anglais, etc. Donc parmi l'un des fondateurs de la France que nous connaissons, il y a Du Guesclin qui avait du sang kamite Maron a écrit sa biographie Du Guesclin ou l'épée du roi. Mais bon, c'est quand même une démarche assez assimilationniste. Hein. Voilà. Et donc, Nation d'agriculture, dans un tel contexte, faisait figure de véritable bombe atomique. Et évidemment, parler de la grandeur de la civilisation africaine antique au moment où l'Afrique croulait sous les différentes formes de domination, que ce soit des dominations monétaires ou après la période de la traite négrière, parce que nous sommes en grande partie influencés par les différents stéréotypes et considérations qui émanent de la traite négrière avec tous les préjugés que ça a pu apporter. Donc, et c'est justement à cause de la politique de rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Il faut savoir que Napoléon a fait la campagne d'Égypte et qu'ayant rétabli l'esclavage, il ne pouvait pas admettre que la civilisation d'Égypte antique avait été bâtie par des Africains. C'est aussi simple que ça. Et c'est à ce moment-là que l'égyptologie comme science s'est fondée sur une falsification. Comme le dit Charanta Diop dans son livre Nation d'agriculture, tous les égyptologues de l'époque commencent déjà par démonter la thèse d'une Égypte africaine et à la présenter forcément comme fausse et irrecevable. La naissance de l'égyptologie est liée beaucoup à cette falsification. Et d'ailleurs, quand on dit Hotep, ce qui signifie la paix, en fait, quand on dit Hotep, c'est l'héritage aussi de l'école allemande. Il fallait mettre des E partout pour faire croire que c'était une langue sémitique. Comme le dit le frère Macanjola, Jacques Vieira, les ancêtres ne disaient pas Hotep, ils disaient peut-être Aoutapa, mais ils ne pouvaient pas dire Hotep. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail qu'il faudrait faire pour vocaliser la langue. Donc on va plus loin. Alors comme on disait tout à l'heure, je partais du principe que chaque peuple a une histoire. Quand je suis tombé sur l'Égypte, ça m'a gêné beaucoup. Et il faut savoir aussi que Charanta Diop prend le contre-pied de Hegel. Est-ce que quelqu'un connaît Hegel? Un philosophe qui a eu une grande influence. Qu'on étudie ici. Oui, c'est un Allemand. C'est le. C'est l'équivalent de en France pour des gens comme Gopinot, tout ça. Oui. Celui qui a écrit de l'inégalité des races. Ça, c'est Gopinot.
Oui, de l'illégalité des races humaines. Bah, il est plus subtil que Gobineau, comment il s'appelle, Hegel, mais il dit plus ou moins la même chose. Dans la raison dans l'histoire, alors déjà les raisons de la création par l'Occident du mythe du Camille des barbares. Déjà c'est dû à la psychologie particulière de l'Européen. La mise en servitude exclusive de l'Africain par l'homme blanc, ça on l'a vu tout à l'heure, une fois qu'ils ont arrêté de mettre en servitude des gens qui leur ressemblaient, à cause de ce qu'ils ont connu en Égypte avec la rébellion des Mamelouks, et la falsification de l'histoire de l'humanité par l'Occident, on l'a vu, puisque l'égyptologie, à ses origines, est une science falsificatrice. Même si, bizarrement, à l'origine de l'égyptologie, on trouve Champollion le Jeune, qui, paradoxalement, était un savant de bonne foi, mais mort prématurément. Et ensuite, il y a eu tout un travail de falsification qui a été fait par des gens comme Gaston Maspero, etc. À une époque plus récente, des gens comme Christian Jacques, qui se fait beaucoup d'argent sur notre patrimoine, avec des romans ou des livres plus scientifiques. Et puis, bien évidemment, Christiane Desroches-Noblecourt, aujourd'hui décédée, mais qui était une égyptologue, qui a fait notamment des fouilles en Nubie, et qui, lors d'une émission de télévision avec Bernard Pivot, disait « Ah, mais les Égyptiens... » Parce que Bernard Pivot, l'animateur télé des émissions littéraires, lui disait « Mais je trouve que quand même, les Égyptiens, de l'époque, je trouve qu'ils sont quand même noirs, africains. » Et elle disait « Non, les Égyptiens de l'époque, c'était tous des locodermes. » C'était ça qu'elle disait Christiane Desroches-Noblecourt, une égyptologue très, très connue en France. Mais celui qui a séparé l'Égypte de l'Afrique, c'est vraiment Hegel, le philosophe Hegel, dans la raison, dans l'histoire. Donc on a vu tout à l'heure, le mot concept nègre a toujours désigné la condition de la personne qui, dans le mode de production esclavagiste, est esclave de naissance ou fait esclave. Là, vous avez un extrait du film que vous connaissez peut-être, Spartacus. Voilà, Spartacus était un esclave Thrace de l'Empire romain. Les Thraces, ils ont souvent les yeux bleus, ou enfin, ils ont un type vraiment très européen, blanc. Et c'était un esclave Thrace qui était dans la Rome antique. Je crois qu'il était gladiateur. Stanley Kubrick a fait un film dessus qui s'appelle Spartacus, avec Kirk Douglas. Et en fait, Spartacus a mené une grande rébellion contre la Rome antique. Et voilà, les ancêtres des gilets jaunes, en fait. Des gens qui ne sont rien. À l'époque, c'était des gens qui n'étaient rien. Mais bon, les gens qui n'étaient rien, ils pouvaient vous mettre le feu. Hein, et c'est ce qu'il a fait aux Romains. Bon, ils ont fini par avoir sa peau, mais ça a été compliqué. Et donc voilà le concept de noir désigné des gens comme ça. Donc, la campagne d'Égypte de Napoléon, on l'a vu tout à l'heure. La science va se scinder en deux groupes durant la naissance de l'égyptologie. Donc, il y aura des gens comme Champollion le Jeune, mais aussi des gens comme Champollion le Jeune, donc des gens honnêtes, et comme Volney, tout à fait, dans son voyage en Égypte et en Syrie. Il y avait Champollion le Jeune, et il y avait un autre Champollion. Champollion Figeac. Ouais, et ce n'était pas la même vision. Ah, pas du tout. C'était un falsificateur, Champollion Figeac. Là, c'est Volney, hein, au fait. C'est Volney. Et les égyptologues de bonne foi, comme dirait Cheyenne Diop, et ceux qui ont falsifié l'histoire, commettant ce que j'appelle, je pèse mes mots, disait Cheyenne Diop, un crime contre l'humanité, parce que c'est dégradant de transmettre des contre-vérités quand on a pour travail de transmettre tout simplement l'histoire. C'est dégradant. Ils n'ont pas été honnêtes et ils ont commis un crime contre l'humanité. Alors c'est dans Leçon sur la philosophie de l'histoire que Hegel, cité dans un article de Hamadi Ali Dieng dans Hegel et l'Afrique noire, donc Hegel disait « L'Égypte sera examinée au passage de l'esprit humain de l'Est à l'Ouest » mais elle ne relève pas de l'esprit africain. Les livres de Hegel sont en vente dans toutes les bibliothèques, hein, dans toutes les librairies. Hein. L'Égypte ne relève pas de l'esprit africain. Mais quand on regarde l'Égypte sur une carte, elle est bien en Afrique. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, ah voilà, c'est ça, le passage de la raison dans l'histoire. Je ne comprenais plus parce qu'il y a plusieurs passages. Il disait « L'Afrique proprement dite est la partie de ce continent qui en fournit la caractéristique particulière ». Donc pour lui, il y a l'Égypte et l'Afrique proprement dite.
Il n'était jamais allé en Afrique, Hegel. Mais il avait peut-être CNN ou BFM, donc évidemment ça compense. Donc ce continent n'est pas intéressant du point de vue de sa propre histoire, mais par le fait que nous voyons l'homme dans un état de barbarie et de sauvagerie qui l'empêche encore de faire partie intégrante de la civilisation. L'Afrique, aussi loin que remonte l'histoire, est restée fermée, sans lien avec le reste du monde. C'est le pays de l'or, replié sur lui-même, le pays de l'enfance qui, au-delà du jour, le pays de l'enfance, voilà, du jour de l'histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. Bon, il essaye d'être poète. Alors voilà, ce paradoxe, c'est que l'Afrique n'a pas d'histoire, et c'est très pratique d'enlever la civilisation égyptienne de l'Afrique. Parce que nous allons voir un peu plus loin, quand nous allons nous intéresser au travail de George M. James, que, bah, par exemple, on pourra voir que c'est le pharaon Khufu qui a fondé la ville d'Athènes. Donc, par mesure de précaution, pour éviter notamment les vérités qui sont dites dans le film Pyramide, cas 2019, sur la transmission du patrimoine scientifique de l'Afrique vers l'Europe, il vaut mieux être très précautionneux, il vaut mieux éviter de parler de tous les liens dans l'Antiquité qui ont eu lieu entre Égyptiens et Grecs, pour faire de la Grèce, de la civilisation de la Grèce, une civilisation entièrement à part. Mais deux précautions valent mieux qu'une. Au cas où on réussirait à remonter jusqu'à l'Égypte, il vaut mieux enlever l'Égypte du contexte de l'histoire africaine. Mieux vaut deux verrous qu'un seul. On ne sait jamais. Il y a toujours des petits malins qui veulent... voilà. Donc, alors, l'enjeu, il est là. Quand Christian Jacques... Vous connaissez Christian Jacques, j'imagine. Voilà. L'Égypte... Alors, Christian Jacques, c'est un grand romancier français qui s'est spécialisé dans les romans avec pour toile de fond l'Égypte antique. Et il vend des millions de livres dans le monde, il est traduit dans toutes les langues. Évidemment, il s'arrange bien pour cacher l'aspect, africain de la civilisation de l'Égypte antique. La preuve, il a un livre qui s'appelle « Le pharaon noir ». Donc c'est des titres qui ne veulent rien dire. C'est comme si le Gaulois blanc, ou le... Je sais pas, moi, ça n'a pas de chance. Ou l'Algérien musulman, enfin, ça veut rien dire, quoi, le pharaon noir. Hop. Voilà la vision française et la vision africaine dans tout ça. Alors justement, pourquoi beaucoup de nos frères et sœurs ont du mal avec ce genre de recherche ? Publié pourtant depuis 1954, mais il n'arrive pas. C'est peut-être aussi parce que beaucoup de nos frères et sœurs ne lisent qu'un seul livre. Certains ne vont lire que la Bible, et d'autres ne vont lire que le Coran. Donc, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire le Coran, mais on peut lire autre chose aussi. Nous avons le frère Kabamban Tamani à Balémé, qui nous dit « Le tribalisme n'est pas un sentiment naturel inné à tous les groupes ethniques. » Par contre, les manifestations citadines du sentiment d'appartenance et d'attachement à une ethnie, que nous appelons tribalisme urbain, apparaissent dans notre pays à la suite de la pénétration coloniale. Bon, c'est une phrase un peu carabinée, mais l'avez-vous comprise ? Ça veut dire que souvent, on se définit... Quand on se définit par notre couleur de peau, c'est de façon très rapide. C'est pour dire, moi je suis un noir, mais c'est très superficiel. Mais quand on se définit, souvent, c'est plus par rapport à l'ethnie. Ben mince, manque de peau, l'ethnie, c'est aussi une construction coloniale, quelque part. Parce que nous avions des grands ensembles en Afrique. Je donne un exemple tout simple. Dans les populations du Gabon, nous avons ce que nous appelons la parenté clanique. Si nous avons le même totem, ça veut dire qu'un Fan et un Miené peuvent être parents parce qu'ils ont... Ils ont le même totem, ils ont le même tabou, les mêmes interdits, et ils ont le même animal totémique. Et pourtant, ils ne parlent pas la même langue. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'enfermer sur les questions d'identité, de parenté, simplement sur ce qu'on appelle l'ethnie.
et surtout des gens qui pensent être étrangers les uns aux autres, sont juste des peuples qui ont cheminé ensemble et qui, à un moment de l'histoire, se sont séparés. Et des fois, ils ont rencontré d'autres peuples, donc le vocabulaire a changé, mais le fond de la langue reste la même. Et aujourd'hui, ils se voient comme s'ils étaient des étrangers. Évidemment, cette vision éclatée de l'identité nous empêche d'avoir une identité plus vaste panafricaine. Et Diop va révolutionner tout ça. Alors, étude de l'œuvre proprement dite, on a vu la... Vous vous souvenez qu'on a vu la préface tout à l'heure sur les cosmopolites scientistes modernisants. Qu'étaient les Égyptiens? Alors voilà. Ça, c'est, ça veut dire Kemet. Ça se dit Kemet. Là, vous avez, ça donne le son Kem. C'est un bout de charbon brûlé. Et là, vous avez le M de la chouette. Et là, vous avez le T du féminin. Et là, vous avez le déterminatif du pays. Donc, ça se lit la nation noire. Et les égyptologues de mauvaise foi disent qu'en fait, ça désigne le sol, le limon. Mais non! Ça, ça veut dire nation. C'est pas le sol. C'est comme quand on dit l'Afrique noire. On parle de la couleur des habitants. On parle pas de la couleur du sable, de la terre. Donc, on nous dit aussi que cher Mta Diop, il est dans une démarche passionnée et qui n'est pas objectif parce que tous les Égyptiens n'étaient pas noirs. Mais évidemment, si on a on a différents types physiques en Afrique, vous voyez, tous ces gens appartiennent plus ou moins à la même communauté, mais ils ne se ressemblent pas. Donc on a différents types physiques. Donc le mythe du nègre, on l'a vu tout à l'heure, celui... Aimé Césaire écrivait à ceux qui n'ont rien inventé, qui n'ont dompté ni l'électricité, enfin je ne sais plus ce qu'il disait, ceux qui n'ont rien inventé, qui n'ont pas inventé la boussole. Et quand il a lu Nation et Agriculture, il a fait tout le tour du Paris savant pour faire lire le livre. Il a lu le livre en tout. Il a passé une nuit à lire entière, à lire le livre. Et il a fait le tour du tout Paris pour montrer ce livre aux gens. Et Aimé Césaire disait que Nation Nègre et Culture était le livre le plus audacieux qu'un nègre ait jamais écrit. Ils n'ont exploré ni la mer, ni le ciel, c'est ça que je... Comment ? Oui, c'est ça, c'était ça, merci. Alors, on parlait tout à l'heure de la circoncision. Gérantin Diop disait « La circoncision ne trouve une interprétation intégrée dans une explication générale de l'univers, c'est-à-dire une cosmogonie que chez les nègres. » Bon, chez les Kamites, on dit aujourd'hui. En particulier, la cosmogonie d'Ogon que rapporte Marcel Griol dans Dieu d'eau, nous apprend que la circoncision, pour avoir tout son sens, doit être accompagnée de l'excision. Donc, ces deux opérations ayant pour but de retirer à l'homme ce qu'il a de femelle, c'est-à-dire que les hommes non circoncis, dans cette idée, seraient de sexe indéterminé, et les femmes non excisées, de sexe indéterminé. Donc, ayant pour but de retirer à l'homme ce qu'il a de femelle et à la femme ce qu'elle a de mâle. Alors évidemment, l'excision ne peut plus être pratiquée aujourd'hui parce que c'est quand même un acte qui se traduit par une extrême mutilation de la femme. Et le propre de la tradition, c'est d'être dynamique. Une tradition ne peut pas être figée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de communautés en Afrique qui ne pratiquent pas du tout l'excision. Et d'ailleurs, sur les origines de l'excision... Il y a différentes sortes d'excision, aussi. Oui. Oui. Et d'ailleurs, sur l'origine de l'excision, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Le frère Amunan Goniba, je pense qu'il a sa propre thèse que je n'ai pas approfondie. C'est lui qui a écrit que c'était une d'origine eurasiatique, c'est ça? Oui, mais moi, je n'en sais... Je l'ai pas lu. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais le doyen... Fakouli dit que c'est africain, hein, c'est pas... Ah bon, ouais. Oui, donc... Mais en fait, il y a une différence entre la mutilation dont tu parles et oui. La façon dont il décrit... Oui, chez nous, tiens, Vénie. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que c'est l'affirmation du sexe. C'est pas qu'un enfant qui est non circoncis, qu'une femme qui n'est pas excisée, qu'une petite fille qui n'est pas excisée...
et de sexe indéfini, mais c'est juste qu'au passage d'un âge adulte, on confirme, on s'affirme en tant qu'homme, on s'affirme en tant que femme. Et donc effectivement, il y avait l'origine de la pratique qui était effectivement la circoncision telle qu'on connaît, les décisions telles qu'on la connaît, mais après elle a évolué aussi. Certaines personnes, comme disait le frère Lézien, justement dans la pratique des décisions, qui pratiquaient juste une petite coupure. Ouais, c'est ça. Donc, c'était pas l'entièreté du clitoris qui était enlevé, mais c'était juste une petite coupure pour symboliser, pour l'affirmation en tant que femme. Voilà. Mm. Après, bon, rien n'est figé dans le temps. Rien n'est figé. Bon, il faut accepter également les choses qu'on peut améliorer avec le temps. C'est pas parce que on n'était pas tout bon, tout était bien chez nous. Il y a des choses qu'il faut améliorer, comme qu'on a amélioré avec le temps, mais c'est pas pour autant qu'il faut les rejeter en disant que non, c'est pas une pratique africaine. Voilà. Il y avait des choses qu'on peut améliorer aussi. C'est comme par exemple dans certaines ethnies, le fait de se mimer les dents, c'est quelque chose qui fait très mal. Comme par exemple les scarifications, certaines choses, etc. C'est des choses qui font très mal, qui peut paraître négative quelque part. Mais c'est pas pour autant qu'on va rejeter, qu'on va dire oui, mais en fait c'est quelqu'un, ça vient d'autre part. C'est pas comme la question de l'esclavage, par exemple, où on essaye de dire qu'on pratiquait l'esclavage en Afrique avant, etc. etc. Là, on est légitime de dire que bon, on ne pratiquait pas l'esclavage. Mais l'excision, des choses comme ça, c'est des choses qu'il faut accepter comme faisant partie de notre culture. C'est pas pour autant qu'on va continuer et reproduire, mais il faut accepter. Parce qu'effectivement, c'est si on circoncit, il faut comprendre aussi le symbole de l'excision également. Bien sûr. Si on accepte la circoncision, il faut accepter également le concept de l'excision, enfin de son symbolique. Oui. Ouais, et pour aller dans le même sens, Cheikh Anta Diop, quand il en parle dans une démarche scientifique. Il n'en parle pas pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Exactement. Pour analyser un phénomène culturel qui ne se comprend que dans une ère culturelle donnée. C'est ça, bien sûr, tout à fait. Alors là, on a vu tout à l'heure la royauté. Donc la royauté est dans Nation d'agriculture, telle qu'il en parle, c'est une institution qu'on trouve en Afrique, en Égypte et dans le reste de l'Afrique. Et par exemple, il donne l'exemple de la mise à mort rituelle du roi. Il donne aussi l'exemple de la fête du Céd. C'est-à-dire que quand le roi en Afrique antique et dans l'Afrique des grands empires perd sa force vitale, on pouvait le tuer, l'exécuter. Et puis au bout d'un moment, c'est devenu une exécution ritualisée qui n'est pas réelle en fait. Parce qu'évidemment, ça aussi, ce genre de pratique qu'il faut améliorer. Mais en tout cas, la fête du Céd ou dans d'autres civilisations autres que l'Égypte, il fallait vérifier qu'à partir d'un certain âge, le roi avait toujours sa force vitale. Et donc ce vitalisme, il appelle ça le vitalisme, on le trouve aussi bien en Égypte pharaonique que dans le reste de l'Afrique. Ici, vous avez un bronze royal du Bénin. La vision de la vie et de la mort. Alors ça, c'est vient ensuite le monde des morts. Qui sont des êtres puissants en bien ou en mal. À mon avis, ça doit être un extrait du livre Les Bantous de Théophile Obega. Vient ensuite le monde des morts qui sont des êtres puissants en bien ou en mal. Plus le temps recule, plus le monde des morts se rapproche de celui des ancêtres primordiaux et des génies. Les morts habitent leur monde à eux, Longa en Boshi, et Longa, séjour des morts en Pongwe, donc en Omiyenais. C'est un amour mystérieux dont les habitants, les morts, se livrent à toutes les occupations qui absorbèrent jadis leur existence sur Terre, mais ils sont devenus plus puissants, lumineux. Et là, il parle de ceux qu'on appelle les Bantous. Donc les Bantous sont comme les Rébétous. Ils pensent que quand les gens sont décédés, ils sont toujours vivants, en fait. Et ils se livrent à toutes les occupations qu'ils avaient durant leur,
leur existence. C'est ça qui explique aussi les procédés de momification, etc. Et le livre de sortie vers la lumière du jour, pour que le cas du défunt soit vitalisé et qu'il se retrouve aussi vivant qu'il était après son décès. Donc toutes ces pratiques sont propres à l'Afrique de façon générale, et pas seulement en Égypte, mais on les retrouve partout en Afrique. Effectivement, c'était dans les Bantous, publié par Théophile Obenga en 85. Alors voilà, là, on en parlait tout à l'heure, la comparaison entre le Wolof et la langue égyptienne. En égyptien, vous avez le verbe « saisir violemment »,« kef », et en Wolof, vous avez « kef », qui veut dire la même chose, « saisir violemment ». Donc on voit bien la parenté linguistique. En égyptien, vous avez « fak », se rebuter, se dégoûter, et en Wolof, vous avez « fak », ignorer quelqu'un volontairement par dégoût ou autre motif. Ça, c'est à la page... c'est dans Nation d'agriculture. Alors, au chapitre 5 de Nation d'agriculture, il parle des arguments contre une Égypte nègre. Parce qu'il faut une thèse, une antithèse, une synthèse. Donc, il y avait beaucoup d'arguments contre. Les arguments, notamment, c'était sur les traits fins de certains Égyptiens. Et là, vous avez une reconstitution en numérique du visage de Ramsès II. Alors on va dire, bah oui, ça peut pas être un kamite, c'était un blanc à peau noire, parce qu'il allait très fin. Mais là, vous avez l'acteur africain-américain Dorian Harewood. Vous trouvez pas qu'il y a un air de famille entre les deux? Honnêtement. Du nez, ouais, même les yeux. Donc, à tel point qu'on croirait même que c'est l'acteur qui a servi de modèle pour la reconstitution numérique, alors que c'est pas du tout le cas. La régression culturelle. Donc on nous dit, mais quand on regarde l'Afrique aujourd'hui, on a du mal à penser que ce sont les Africains qui ont construit les pyramides. Mais quand on regarde la Grèce aujourd'hui, en crise, et qui a dû être refinancée ou remise à flot par l'Union européenne au forceps, est-ce que la Grèce actuelle, les Grecs actuels, on peut penser qu'ils sont vraiment les descendants des Grecs? Et pourtant... en grande partie le sont. Donc c'est pas un argument, ça, la régression culturelle. Même l'Italie, hein. Exactement. La question de l'écriture. Alors on nous dit, oui, mais la civilisation africaine, c'est la civilisation orale. Oui et non. C'est vrai, mais c'est faux aussi. Parce que vous avez l'Uncibidi, vous avez tout un tas d'écritures. Là, vous avez l'Uncibidi. Là, vous avez les pictogrammes égyptiens. Il y a toute une comparaison que Cheranta Diop fait dans Nation Agriculture. Voilà. Donc, vous avez pas mal d'écritures en Afrique. Vous avez l'écriture... il y a l'écriture Bamoum, aussi, au Cameroun. Il y a tout un tas d'écritures. Je pense qu'il est quand même important, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, j'ai dû en répondre à une pas plus tard qu'avant-hier. Oui. On nous posait la question si l'Égypte Kemet était réellement noire, africaine, pourquoi est-ce qu'on n'a pas reproduit le même bâtiment, la même architecture, C'est une très bonne question. Les mêmes choses ailleurs. C'est une excellente question, je vais vous répondre. J'ai écrit un article là-dessus. C'est un extrait d'une autre conférence que j'ai faite sur ces deux livres. Je vais le retrouver vite fait. Hop. Ouais, c'est une excellente question. Et qui est d'ailleurs développée par Cheranta Diop dans son livre. Je vais la retrouver. Voilà. Ça. Diop nous explique que les populations africaines autochtones vont, lors des invasions étrangères massives et continues, se réfugier dans l'intérieur du continent. Au bout d'un moment, ce sera sauf qui peut. Il n'y a pas que Diop qui le dit. Aussi, Chancellor Williams, dans son livre « The Destruction of African Civilization », la destruction de la civilisation noire, nous dit qu'effectivement, depuis les invasions perses, assyriennes, grecques, romaines, arabes, turques, françaises, etc., anglaises et espagnoles, enfin et portugaises, les populations africaines vont fuir constamment. Et bizarrement,
elles vont reconstruire partout des empires. C'est-à-dire que la chute de l'Égypte, dès la chute de l'Égypte, il y a un autre royaume qui se construit, qui est le royaume de Ouagadou, capitale Ghana. Donc l'histoire de l'Afrique vue sous cet angle est ininterrompue. Mais à chaque fois, les Kamites sont obligés de fuir, et donc ils sont obligés de reconstruire d'autres civilisations ailleurs. Alors pourquoi il n'y a pas de pyramides ? Bon, cela dit, il y a plus de pyramides en Nubie qu'en Égypte. Mmh. Et les pyramides de Nubie sont très anciennes aussi. Et l'Égypte est fille de la Nubie. Donc déjà, l'argument de ceux qui disent que ce n'est pas une civilisation kamite, il y a toujours des kamites en Nubie, à tel point que quand les gens vont en vacances en Égypte, le mot pour dire noir, c'est le mot nubien. Là-bas, on appelle les noirs les nubiens. Et bien, il y a plus de pyramides en Nubie qu'en Égypte. Mais il n'y a pas que ça. Il nous explique, Diop, que la configuration géographique étant différente de celle de la vallée du Nil dans les nouveaux territoires que les Kamites vont peupler dans l'intérieur de l'Afrique, les Kamites délaisseront l'activité spéculative nécessitée par leur environnement. Mais quand les Européens dotés d'armes à feu feront du brigandage sur les côtes de l'Afrique au XVe siècle de notre ère, ils trouveront des États africains plus faibles qu'eux militairement, mais avec une organisation politique égale, sinon supérieure. Bah, quand on voit le royaume du Congo, waouh, même sans trop s'apesantir dessus, mais on voit qu'il y a une richesse au niveau de l'organisation administrative qui n'a rien à envier, strictement rien à envier à l'Égypte antique. Certes, on n'a pas construit de pyramide, mais l'organisation politique est aussi sophistiquée. Donc finalement, cet argument, il tombe à plat, je pense. En fait, on n'a pas construit de grands bâtiments, de grandes choses comme les pyramides, etc. Parce qu'on avait le besoin de pouvoir aussi se déplacer facilement, pour faire des bâtiments qui sont moins laborieux à construire et plus faciles à abandonner ou à déplacer ces maisons, etc. Et puis il y a aussi des tumulus ou des pyramides d'argile, enfin qu'on a trouvé ailleurs en Afrique aussi. Oui, après il y a des grands, effectivement par exemple au Zimbabwe, le grand Zimbabwe, etc. Exactement. Au Bénin aussi. Exactement. Donc je pense que c'est un argument qui tombe à plat, mais c'était bien, c'est une question importante. On va poursuivre. L'origine africaine des différentes populations. Donc là, vous avez Dika Akwa Nya Bonambela, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les descendants des pharaons à travers l'Afrique » et qui était 109e descendant d'une vieille dynastie africaine. Et c'est un chercheur de premier plan qui est aujourd'hui décédé. Il a été rappelé par les ancêtres. Et donc... Il y a aussi les travaux de Abou Bakri Moussalam, les chemins du Nil, plus sur la zone d'Afrique de l'Ouest. Ouais, c'est mieux, merci. Alors, le chef-d'œuvre en matière d'enquête historique est la partie consacrée à l'origine des céréales. Je vous invite à la lire quand vous lirez Nation d'agriculture. L'apport de l'Éthiopie Nubie et de l'Égypte à la civilisation, on l'a vu tout à l'heure. Et finalement, on retrouve des thèmes qu'on retrouvera tout à l'heure chez George James. Il n'y a pas de miracle grec. Il nous dit le génie profane des Grecs dû essentiellement à l'influence des steppes eurasiatiques. Le génie profane, c'est que les Grecs, ils ont pris la cosmogonie de l'Égypte antique, et ils ont enlevé l'élément spirituel. Ils ont gardé que l'élément scientifique. Et c'est tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait d'autre. Voilà. Alors l'impératif diopien, c'est développer les langues nationales, c'est le fédéralisme africain, c'est la connaissance des humanités classiques africaines. Développer les langues nationales. Dans Nation d'agriculture, il y a une traduction du principe de la relativité d'Einstein en Wolof. C'est pour montrer que nos langues peuvent soutenir toute activité, toute recherche scientifique. Et donc le fédéralisme africain,
On peut penser qu'il est panafricaniste rien qu'en lisant la préface. Il y a la connaissance des humanités classiques africaines. L'héritage de Nation Agriculture, bah aujourd'hui, c'est... Il y a un article de synthèse très brillant qui avait été fait il y a quelques années par Cher Ibrahim Anyang. Il y a des travaux comme Shemshoubak, Smi en Sketipen, Le Conte du Paysan éloquent, qui est un ouvrage collectif par les éditions Perrin. Il y a la vulgarisation et l'art, donc il y a les Kemti, des bandes dessinées de Géoti Billon. Vous pouvez même acheter ça à vos enfants, parce que c'est des bandes dessinées qui sont inspirées de l'histoire antique. S'il n'y avait pas eu Cher Anta Diop, il n'y aurait pas les Kemti. Et Diop est évidemment vu par Molificete à Santé comme un précurseur de l'afrocentricité, bien sûr. Et la vigilance du frère Yossi Traoré Adama sur les questions de falsification des manuels scolaires. Parce que ça continue, évidemment. Voilà. C'est tout ce qu'on peut redire. Et donc, Nation Agriculture contient, comme le Noun, toutes les potentialités. Et il est la clé de notre transformation. Voilà ce qu'on peut dire sur Nation Agriculture. Maintenant, nous allons passer à George James James. On essaiera d'être plus bref, parce qu'on a passé beaucoup de temps. Non, ça va ? Moi, c'est bon. Alors, avez-vous des questions ? Avant d'attaquer George James James, avez-vous des questions ? Juste une précision, c'est qu'effectivement, il faut savoir que l'afrocentricité prend comme source quatre principaux courants, qui sont effectivement les études diopiennes. Il y a la Kaweda de Molena Karanga, il y a la négritude, donc de Aimé Césaire, etc. Et il y a, bien sûr, le garveïsme, de Marcus Garvey. Mais effectivement, donc, les études diopiennes sont la première source, on va dire. Ah oui, parce que... La source intellectuelle la plus importante. Ah, parce que, oui, parce que Molefi, à Santé, dit que Diop est l'afrocentriste par excellence. C'est vraiment... Oui et non. Sur certaines choses, oui, et sur d'autres, un peu moins. Mais effectivement, à l'époque... C'était une autre époque. Chaque époque, chaque génération amène son progrès. Mais Apollinaire Ferreur, dans l'égalité générationnelle, il parle aussi un petit peu... Il parle de l'Égypte nègre. Oui, bien sûr. Il parle de l'Égypte nègre, sauf qu'il ne va pas... Il ne développe pas. Voilà, il ne développe pas, il ne va pas aussi loin que... Je l'ai lu, mais il en parle un peu. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs... On sait que Diop n'est pas le premier à avoir évoqué l'africanité de l'Égypte. Et le Sèche Molefi explique ça très bien en français. Alors je vous rappelle le titre de l'article. L'origine africaine de la philosophie, mythe ou réalité. Si vous tapez ça sur Google, vous tombez forcément sur l'article de Molefi à Santé, en français. Et là, vous aurez toutes les clés. Donc George James, c'est lui. Donc il a publié son livre en 1954. Il n'a pas beaucoup vécu après. Il a eu des petits problèmes. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors ce livre, nous l'avons traduit, Et tombé et moi. Hein, on a traduit à deux, on a fait ça à deux. Parce que Stolen Legacy était publié en 1954, mais en anglais, et nous l'avons traduit, Est tombé et moi, donc Est tombé est ici, présente. Voilà, c'est une ancienne militante, enfin militante toujours active d'Afrocentricité internationale, ancienne vice-chevouti, secrétaire générale, et traductrice, voilà, on a fait ça à deux. Voilà. Nous sommes associés d'ailleurs à la ville et à la maison aussi. Juste une question, que lui est-il arrivé exactement? Alors on pense, apparemment on le dit dans la préface, enfin non pas dans la préface, mais dans l'avant-propos, etc. On pense à un crime rituel. Parce qu'il est probable qu'en dévoilant les origines africaines des sociétés secrètes européennes,
Bah, à l'époque, s'il était membre de l'une de ces sociétés secrètes, peut-être qu'on a voulu lui faire la peau, tout simplement. Donc, mais maintenant, il y a tellement... C'est des vérités qui circulent tellement que, bon, il faudrait peut-être exterminer des millions de gens, et puis c'est quand même plus compliqué que ce soit personne. Surtout avec Internet. Oui, mais maintenant, c'est compliqué. Hein. Mais c'est ça, le combat de la Renaissance Kamite, bah, c'est aller au front. La recherche scientifique, c'est pas quelque chose de confortable. Et c'est d'ailleurs Louise-Marie Diopmas, la veuve de Charanta Diop, qui était aussi une intellectuelle de premier plan. Elle a publié un livre qui s'appelle « Afrique noire, démographie, sol et histoire », très intéressant. Et elle me disait que dans certains milieux universitaires français, toutes ces vérités sur le passé de l'Afrique, beaucoup de chercheurs étaient capables de les dire, mais ils ne voulaient pas le dire parce qu'ils avaient peur pour leur carrière. Donc là, au moins, c'est pas pour leur vie, mais ils avaient peur pour leur carrière. Donc quand on vous coupe les vivres et que vous n'avez plus de moyens de subsistance, que vous vous retrouvez au chômage, c'est sûr que c'est dissuasif. Hein, c'est... Le courage des 3C qui est utilisé par Mitterrand, conscience, connaissance, et courage. Ouais, sans courage, on ne peut pas aller très loin. Hein. Alors le livre en tant qu'objet et en tant que réceptacle du savoir, le livre c'est d'abord un objet. Et moi mon ambition, enfin c'est mon ambition mais je ne pourrais jamais y arriver tout seul évidemment, mais mon ambition c'est de faire du livre un objet commun. Quelque chose qui n'est pas... Enlever tout le mythe autour du livre. Oui, il n'y a que les intellos qui lisent, c'est pas vrai. On s'aperçoit que par rapport à ces questions de recherche, etc., il y a souvent des gens, même aux États-Unis, c'est pareil, il y a des gens qui ont Bac plus 1000 qui ne lisent pas. Et des chauffeurs de taxi, des maîtres chiens, des femmes de ménage qui achètent ces livres-là, ou des infirmières qui achètent ces livres-là. Donc, mais encore dans nos familles, il y a un tabou autour du livre. Le livre, c'est la chose du blanc. C'est les blancs qui écrivent des livres, c'est les blancs qui lisent. Nous, on ne lit pas, nous, notre civilisation, elle est orale. Et c'est des tabous. Il ne faut plus avoir peur du livre, il faut que le livre soit un objet de consommation courante. Et c'est pour ça que chez Afrocentricity International, on essaye de faire des livres qui sont agréables à regarder, parce que c'est toujours mieux. Il y avait un frère, le frère Etilé, qui est chercheur aussi, René-Louis Parfait-Etilé, il disait, une fois dans une émission de télé, c'est que quand on nous parle de l'Égypte antique, les égyptologues, ils parlent d'une Égypte où il n'y a pas de date. Bizarrement, il n'y a aucune date. C'est suspendu en l'air. Quand on lit les ouvrages de comment il s'appelle Christian Jacques, des fois c'est très bien écrit, c'est passionnant, on apprend des choses, mais il n'y a aucune date. Donc la civilisation égyptienne, elle est là, elle est suspendue en l'air. Alors que les chercheurs kamites comme Théophile Obenga... Il y a une chronologie, quoi. C'est avant et après. C'est ça la chronologie, finalement. Et si on divorce complètement de la chronologie, ben, on abolit l'histoire de l'humanité. Il n'y a plus rien. Tout est mis sur le même plan. Donc, à la limite, Napoléon se retrouve un contemporain de Ramsès, ou Jésus, il a précédé, on sait plus. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir, d'ailleurs. Donc, et puis l'histoire c'est une continuité. Vous trouvez pas d'ailleurs que Théophile Obenga il ressemble à Menkaure? Qui est-ce? Menkaure. Et qui dit que c'est pas Menkaure qui est revenu pour mettre les points sur les i? C'est possible. C'est vrai, hein, il ressemble vraiment. Ah ouais, mais... Même avec le nez cassé. Hein. Il a le droit de changer de tête en revenant. C'est impressionnant. Menkaure, il a le droit de changer de tête en revenant. Ah, alors Menkaure, je vais pas dire de bêtises. C'était une bêtise? Non, d'avant. Je sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises. Oh, de quoi? Menkaure, c'est quelle période? Donc là, je rappelle que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous avez ici une reconstitution de Homo sapiens idaltu. Et vous avez le chercheur, l'archéologue Behran Afsa, d'origine éthiopienne. Les découvertes sur l'origine africaine de l'humanité, vous avez ici Richard Leakey qui a découvert donc les hommes fossiles qu'on appelle Homo 1 et Homo 2 dans l'Est africain, qui ont été redatés par Ian McDougall en 2005
Et l'homme moderne en Afrique, il est attesté 200 000 ans avant notre ère. L'homme moderne, l'homme comme vous et moi. Alors, on pourrait dire aussi la femme moderne, comme vous et moi. 200 000 ans avant Jésus-Christ. C'est énorme. On a eu le temps d'inventer, de faire plein de choses pendant ce temps-là. On ne faisait pas que du coupé décalé, quand même. Donc l'os de l'Ebombo, on en a parlé tout à l'heure. Non, on a parlé de l'os de Chambo. Lui, il est daté de 37 000 ans avant l'ère occidentale. C'est avant le Chambo, alors. Voilà, trouvé dans les années 70, c'est encore plus ancien. L'autre, c'était 25 000, c'est ouais, ça 25 000. Là, c'est 35 000. Entre l'Afrique du Sud et le Swaziland, c'est le plus ancien témoignage de calcul numérique. Selon Richard Mankiewicz, source Kalala Omutunde, manuel d'études des humanités classiques africaines. On l'a vu tout à l'heure, Révision Moisiré appartenait au peuple des Anou, qui venait du Sud, selon le chercheur Émile Amelino, du Sud de l'Égypte, donc de la Nubie. Et savez-vous, on peut trouver cette statue d'Osiris. Ah, il faut aller vraiment très loin pour la... En Italie, non? Ah, c'est vraiment très loin. À cause des grèves de... À cause des grèves de la RATP, c'est compliqué en ce moment. Au Louvre, c'est en France. Oui, c'est au Louvre. C'est au Louvre. Au musée du Louvre. Exactement. Mais c'est loin, parce qu'il faut marcher. Hein. Il y a... Le train, c'est compliqué. La preuve, je suis arrivé en retard. Donc c'est compliqué. Et franchement, il n'est pas beau gosse. Pour l'âge qu'il a, je trouve qu'il a l'air plutôt sympa. Donc, oui, on se répète, hein, c'est bitin à nous. C'est Pierre Nilon qui a bien dit ça, c'est bitin à nous. C'est les Anou, donc c'est normal, c'est bitin à nous. Là, vous avez Terra Nether, la figure proto-historique de Terra Nether, de la race nègre des Anou, les premiers habitants de l'Égypte. Et là, évidemment, vous avez la reconstitution faite par Hollywood dans les années 50, dans le film Les Dix Commandements, que beaucoup de nos parents ont vu. À chaque approche de Noël, on rediffuse, on remet une petite piqûre de rappel. Hein, ouais, on est obligé. On voit les rappels, on est Donc, incarner... C'est la version Walt Disney qui les voit, sinon c'est animé, là. Donc Pharaon était incarné par Yul Brynner, un acteur d'origine, d'origine mongole et allemande. Voilà. Donc on a tous grandi avec ça. Hein. Ouais. Charles Dunstan. Voilà le vrai Ramsès II. Sans commentaire. La reconstitution faciale du visage de Ramsès II. Alors oui, c'est l'acteur Dorian Harwood, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Que sans commentaire. Et le problème, on en parlait tout à l'heure, que nous avons avec le temps depuis notre dressage. Pourquoi j'utilise un mot aussi insolent, discourtois, insultant, depuis notre dressage? C'est la façon de définir l'esclavage. Oui, mais l'esclavage de l'école de Jules Ferry, c'est un chercheur. Ah, donc vous aimez l'équilibre. Le conditionnement, le conditionnement scolaire. Moi j'écris des petits livres. Voilà, j'écris des livres comme ça. Parce que je suis fainéant. Et donc oui, ça, c'est la lumière, la vraie, échapper à l'influence des élites médiatisées. Et ça aussi, ça fait partie de notre... Et à cause de notre dressage, nous avons un problème avec le ton. Nous avons un problème avec tout ce qui est... moi, je connais un grand sèche, un grand savant originaire du Gabon. Le sèche... non, Wunkiyama Kiman, qui disait qu'au Gabon, bah, beaucoup d'entre nous, on a une mémoire qui ne va pas au-delà de 6 mois. Donc les gens se souviennent des événements, mais il ne faut pas que ce soit plus ancien que 6 mois. Alors évidemment, si on est sur les milliers d'années de Diop, et là, c'est, ben, plus personne ne suit, quoi. Pour information, sèche, c'est scribe, c'est enseignant. Ah oui, pardon, c'est ça, c'est scribe, enseignant. Alors vous avez... Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Non. C'est Michael Bradley. Michael Bradley a écrit un livre qui s'appelle « L'héritage de l'homme des glaces ».
Voilà. Et donc, c'est à cause de l'héritage de l'homme des glaces que nous avons un problème avec le temps, puisque... est-ce que vous avez déjà pensé pourquoi beaucoup de pays puissants dans le monde ont la bombe atomique, ce qui leur permettrait de faire sauter plusieurs fois la planète? Bon, déjà, on peut s'interroger, parce que quel intérêt de pouvoir faire sauter une fois la planète? Je comprends tout à fait, c'est un objectif tout à fait admirable, respectable, mais... deux ou trois fois, j'avoue que je ne comprends pas trop, mais bon. Et en fait, si on suit la logique développée par ce savant Michael Bradley, l'auteur de L'héritage de l'homme des glaces, les Européens, les Occidentaux, ne veulent pas que leurs enfants ou arrière-petits-enfants vivent mieux qu'eux. Ils sont jaloux de leur mode de vie. D'ailleurs, on le retrouve aujourd'hui avec la question des retraites. Donc, ils ont un problème avec leurs ancêtres, qu'ils honorent, mais jusqu'à un certain point. Mais ils ont un problème aussi avec leur descendance. Et nous, nous avons le même problème. Et c'est pour ça que il est très difficile de développer nos communautés. Et puisque nous avons du mal à nous projeter dans l'avenir, mais nous avons aussi du mal à avoir un lien avec le passé. Parce que nous sommes fâchés avec le temps. Ce que nous n'étions pas auparavant. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond, cette spirale? La spirale de la vie. Oui. La création. Oui. Et Mbok Basson, il identifie ça à la Maat, que ce serait sous forme d'une spirale. Et on retrouve ça partout dans la nature, même dans nos cheveux. Oui. Nos cheveux font comme des spirales. Tout est spirale, en fait. Oui. Donc c'est pour ça que quand nous en prenons à nos cheveux en utilisant divers produits, y a une connexion avec l'univers que nous perdons complètement. Alors, voilà justement la Maat. C'est comme ça que ça s'écrit en Medunéter. Et moi, je suis persuadé... Enfin, je suis persuadé, j'ai aucun mal, puisque j'ai lu le livre. J'ai vu le film, donc c'est facile de raconter le film quand on l'a vu. Donc je suis persuadé que le souverain bien des philosophes grecs, c'est la Maat des anciens égyptiens, tout simplement. Parce que les philosophes grecs, ils parlent du souverain bien. Mais je pense que c'est un autre mot pour décrire la Maat. J'ai vu une... J'ai vu une vidéo de Motondé il n'y a pas longtemps. On disait que, en fait, les Grecs, ils faisaient des offrandes. Oui. Tous les 4 mois, je crois. Oui. Pour les divinités kamites, en fait. Avant de mourir, Socrate, il dit, avant d'être exécuté par le tribunal athénien, il dit « Je dois un coq à Asclépios ». Exact. Et on se croirait au Gabon profond. Asclépios, c'est l'avatar grec d'Imhotep. Donc c'est ça. C'est le néther, c'est le génie tutéaire de la médecine. Donc la médecine. Oui, c'est ça. La médecine de l'architecture aussi. Oui, aussi. Plein de choses en fait. Aussi. Visage contemporain de la Maat, Francesco Welsing, un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Les dossiers d'Isis que nous avons. Aujourd'hui, où elle décrit en fait ce qu'est le racisme, avec une définition qui est vraiment kémite du coup du racisme. Alors, comment définir la philosophie d'un point de vue kémite? Justement, c'est connaissance et sagesse. Donc, c'est, évidemment, on enlève tout le mythe autour du mot philosophie, vraiment des types qui sont dans leur tour d'ivoire ou qui sont dans leur salon, ils refont le monde et puis ils inventent des concepts. Je vais inventer un concept. Ça n'a pas été fait, ou je vais dire le contraire de tel, comme ça on va parler de moi, et puis ils s'ennuient en fait ces gens-là. Et puis ils prennent jamais le métro et tout. Non, c'est pas ça la philosophie. C'est connaissance et sagesse, ça viendrait effectivement des Medunéter, enfin du Sikkam, Sebaït. Sebaït donnerait Sophia. Et Sebaït, justement le mot Sebaït. Donc ça c'est le S, la jambe c'est le B, et donc vous avez l'étoile là, ça c'est le vautour percnoptère, et vous avez les deux,
les deux roseaux, c'est le I, c'est le Y plutôt, et le T, et ça c'est par rapport à tout ce qui est concept. Le morceau de papyrus plié, ça veut dire qu'on parle d'un concept. C'est tout ce qui est attrait à l'idée, au concept. Donc c'est Baït. Alors Imhotep, on en parlait, c'est 2700 avant Jésus-Christ. Pour Molefi Kheterssanté, c'est le premier philosophe qui apparaît dans l'histoire. Il est philosophe, il est architecte, il est médecin. C'est pas lui qu'on appelait le grand architecte de l'univers? Non, je crois pas. C'est un autre. Ça, c'est le nom que les francs-maçons donnent au créateur, à Amon. Mm-hmm. Ou plutôt à Ptah. Ah, c'était Ptah. C'est le même Néter, mais c'est juste une autre façon. Ah, c'est comme ça qu'ils appellent Ptah. Bah, en fait, les francs-maçons. La divinité suprême des francs-maçons. Le nom qu'il donne à Dieu, voilà. C'est le grand architecte. Ah d'accord. Mais en fait, c'est pas Dieu, mais c'est leur divinité suprême. Mmh. Mais pour eux, c'est Dieu. Ouais, en fait, ouais. C'est Dieu. Ouais. Et donc, Imhotep était architecte. Il a construit la première pyramide, la pyramide à degré de Saqqara. Et le voilà Imhotep. Je crois que c'est une statue qu'on trouve aussi au musée du Louvre, mais on doit trouver aussi des statues au musée du Caire. Forcément. Il fut divinisé longtemps après sa mort. Il est le véritable père de la médecine, adoré par les Grecs sous le nom d'Hermès. Quand vous voyez écrit Hermès, c'est qu'on parle d'Imhotep. Et c'est resté jusque dans la langue française, puisque vous avez le mot hermétique dans la langue française. Hermétique. Donc ça vient d'Hermès. Et Hermès, bah, c'est Imhotep, en fait. Hein. Non, je dis des bêtises. Hermès, ouais, c'est Djéouti. C'est Djéouti. Ouais, je me suis trompé. Non, Hermès, c'est Djéouti, c'est l'inventeur de l'écriture, en fait. Mm-hmm. Avec ses chattes aussi, ce sont les inventeurs de l'écriture. Non. Donc Imhotep, c'est Asclépios, voilà, chez les Grecs. Voilà. Thalès de Milet, alors le premier des philosophes présocratiques, 625 avant Jésus-Christ. On rembobine. Le premier philosophe camite, c'est 2700 avant Jésus-Christ. Le premier philosophe grec... C'est 625 avant Jésus-Christ. Et on nous dit que les Grecs ont tout inventé. Et Thalès, évidemment, a séjourné en Égypte. Ses biographes le disent. Et c'est en Égypte qu'il a appris beaucoup de choses. Thalès, il était originaire de Milet. Thalès de Milet. Et Milet, c'est un territoire qu'on trouve au niveau de la Turquie actuelle. Mais il parlait grec, forcément. Donc c'était c'était un phénicien, Thalès. Alors, et qu'est-ce que viennent faire les Grecs dans tout ça? Eh bien, que s'est-il passé, d'après vous, en 333 avant notre ère? Il y a eu une invasion, il y a un peuple qui en a envahi un autre. Non, après les Perses. Après les Perses? Qui a envahi l'Égypte après les Perses? Après les Perses? Les Grecs, tout simplement. Avec Alexandre, les Grecs, ce sont Alexandre le Grand. Les Grecs ont fini par chasser les Perses d'Égypte. Bon, la civilisation de l'Égypte était plusieurs fois millénaire, mais bon, toutes les bonnes choses ont eu fin. Voilà. Les Perses, c'est l'Iran actuel. C'est ça. Ouais. Et Alexandre de Macédoine, donc le Grec, a envahi l'Égypte. En 333. Parce que souvent on parle des anciennes civilisations comme les Perses, tout ça. Mais on ne sait pas à quel pays actuel ça correspond, quoi. Donc, ah oui. On ne sait pas quoi. Ah ben ça correspond à l'Iran actuel. Oh, ouais. Oui. Voilà Alexandre et voilà Aristote. Aristote, c'était pas n'importe qui parce que c'était le précepteur d'Alexandre. C'est lui qui l'a élevé. Enfin, qui l'a élevé, qui a fait son éducation. L'éducation. Et donc, grâce ou à cause de l'invasion grecque d'Alexandre en Égypte, Aristote a pu mettre la main sur une quantité de livres scientifiques qu'on lui a ensuite attribués, dont on lui a attribué la paternité, mais longtemps après. La transmission des savoirs. Là, vous avez une fresque provenant d'Herculanum, musée archéologique de Naples. Vous voyez des prêtres camites et qui officie auprès de fidèles de diverses origines, et notamment d'origine blanche.
quelles sont les valeurs kamites? On l'a vu tout à l'heure, harmonie, égalité, efficacité. Efficacité, c'est pour ça qu'il y a toujours la notion de magie qui vient dans la philosophie kamite. Il y a la magie, il y a les rites, parce qu'on recherche aussi l'efficacité, être efficace dans le visible comme dans l'invisible. C'est un peu comme le vaudou, finalement. Donc, c'est un monde tout à fait ritualisé. Et ce que vont innover, apporter les philosophes grecs, c'est qu'ils vont enlever tout l'aspect spirituel de la connaissance. Ils vont garder que la connaissance purement scientifique et purement mentale. Et on va appeler ça philosophie. Alors qu'au départ, la philosophie, c'est quelque chose de total, c'est quelque chose de global, qui n'est pas que mental. Alors le monde d'avant le Mafa, ben justement, c'est l'actualité, c'est une existence ritualisée. Et savez-vous ce que c'est que le Mafa? Ça veut dire ruine, désolation, qui soit dit. Donc plutôt que de parler d'esclavage, parce que après tout, on va parler du philosophe Platon. Platon, il a été esclave aussi à un moment dans sa vie. Il a une partie de sa vie où il est esclave. Mais quand on parle de Platon, personne ne dit jamais Platon l'esclave. Personne ne l'enferme dans cette expérience. L'esclavage, c'est une expérience. Ce n'est pas quelque chose qui définit l'identité d'une personne. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement utiliser nos propres termes pour définir les situations que nous avons vécues. Et nous avons des langues, autant les utiliser. Et Mafa décrit ruine, destruction. Les juifs l'ont fait avec leur génocide, qu'ils appellent Shoah dans leur langue, et c'est tout à fait leur droit. C'est normal qu'ils définissent leurs expériences par rapport à leur culture. Ça permet de mieux se positionner et pas simplement d'être une victime. Et donc, le monde d'avant le Mafa, c'est une existence très ritualisée. Et quand on étudie la Grèce antique, la Rome antique, on s'aperçoit que chez eux, là aussi, les existences sont très ritualisées. Donc, l'univers profane, vraiment, que nous connaissons aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va de soi pour l'ensemble de l'humanité. C'est pas quelque chose qui va de soi. Et ce qui s'est passé, on parlait tout à l'heure de l'influence des religions étrangères, etc. On dit toujours, oui, ben on est devenu chrétien avec l'esclavage, etc. Cette partie du Mafa qui est l'esclavage, on est devenu chrétien. Non. Le christianisme en Afrique a pris pied depuis 391, quand même. Sauf que c'était quand même localisé plus au nord. Le 16 juin, savez-vous qui est ce monsieur? Ouais, ça pourrait. Ouais, ça pourrait, mais c'est pas lui. Mais ça pourrait, ouais, tout à fait. C'est Théodose. Le 16 juin 391, écrit Jean-Paul de la Grave, un historien français, le 16 juin 391, le plus barbare des hommes condamne à mort la civilisation plus que trois fois millénaire de Kemet. Plutôt que Égypte, j'ai mis Kemet entre griffes. Moi, je date le début du Mafa le 16 juin 391 de notre ère. Pourquoi? Parce que c'est... peut-être que vous savez. La fermeture des derniers temps. Voilà. C'est l'abolition de la religion kamite par les Grecs, une fois que les Grecs ont soumis les Égyptiens. Un certain temps s'est écoulé. Au bout d'un moment, ils ont constaté que même à Rome, on pratiquait le culte d'Isée. Ils s'est dit, ces gens-là, quand même, on les a battus militairement. On est toujours fascinés. Il faut que ça cesse. Donc, on abroge, on arrête avec cette religion, cette spiritualité. Donc, ils font fermer tous les temples kamites. Et une horde de moines a déferlé sur Kemet et a détruit les temples, a battu les pratiquants. Les prêtres ont été passés à tabac, les gens ont été agressés, il y a eu des morts, enfin c'était horrible quoi. Et ça, on le doit à Théodose, l'empereur romain Théodose. Donc c'est le début du Mafa et de la marginalisation de la religion africaine. Une question, est-ce que c'est le début du christianisme quoi? Ah, je ne saurais pas le dire. Honnêtement, je ne saurais pas le dire. Non, je ne saurais pas répondre à ces questions. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est un peu plus tard. Je sais pas. La libella, elle est construite plus tard. Qu'est-ce qu'ils ont installé ces moines juste après Mais en fait, le christianisme, tel qu'on le connaît en Afrique, aussi bien en Égypte, à mon avis, qu'en Éthiopie, je parle de l'Abyssinie, ça vient des Byzantins. Hein.
C'est pour ça que ceux qui disent que le christianisme est né en Afrique... Non, ils parlent par rapport à... Ça, faut... tout ce qui est la Libella, tout ça, oui. C'était là avant les Byzantins. Ah bon? Bien sûr. Non, je crois pas. Je pense pas. C'est ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense pas que c'était avant les Byzantins. Puisque le premier converti, c'est Ezana. C'est l'empereur chrétien d'Éthiopie, Ezana. Et Ezana s'est converti au christianisme parce qu'il a rencontré des Byzantins, justement. Ouais, mais c'était un autre christianisme. C'était pas le christianisme qui venait de chez lui, en fait. Non, mais le christianisme éthiopien, même s'il y a, comment dire, un petit retour aux sources ou quelque chose de... Même si on a essayé d'africaniser, en fait, le christianisme, ça reste une base, ça reste la même base. Ça reste la même base que le christianisme orthodoxe. Enfin, c'est le judaïsme. C'est toujours basé sur le judaïsme. Voilà. C'est toujours basé sur les mêmes écrits. Et ça, Saint Maurice, c'est l'ancêtre de l'oncle Tom.